C'est vous qui avez été séduite dans le jardin d'Éden. Mais vous n'avez pas péché. Ce n'est pas la femme qui a péché. C'est Adam qui a péché. Ou bien, grand théologien Bamouni, c'est la femme qui a péché. La femme a été séduite. Il dit, un seul a péché. Dans tous les livres de Romains, tu as entendu, deux ont péché. Qui a péché? Un seul. Et c'est qui? L'homme. Bon. Parce que tu sais, l'Africain a baissé tellement la femme que même il ne tient même pas compte de ce que Dieu a dit. Il ne tient pas compte de ce que Dieu a dit. Comme sa tribu maltraite les femmes là, même ce que Dieu dit là, il trouve que sa tribu est supérieure à ce que Dieu a dit. Dieu, pour montrer que la femme n'a pas péché, dans Genèse 3:15, il va donner les punitions. Il va donner les punitions. Si vous, femme, vous n'êtes pas intelligent, ça vous regarde. Soit l'esclave de ton mari, il marche sur ta tête et puis dit, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Un chef qui n'a pas été incapable de sauver sa femme. Quand sa femme est séduite, et tu dis, tu es chef de quoi? Petit malin, tu fais aujourd'hui là. Quand Satan parlait à ta femme, tu as parlé. Quelqu'un vient faire la cour à ta femme pour séduire. Toi, tu es arrêté, tu regardes. Quand il a fini de séduire ta femme, la chose avec laquelle il a séduit ta femme prend ça et te donne, tu manges. Et tu dis, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Tu es chef de qui? De rien. Regarde ce que Dieu dit de toi. Genèse 3. Il commence par la femme. Il dit, ah, c'est dommage. Tu as été séduite. Ta sanction, le type là, il va dominer sur toi. Deuxième sanction, tes douleurs de l'enfantement seront élevées. Montre-moi où ce que Dieu a maudit la femme où. Où? Traditionnaliste. Où est-ce que Dieu a maudit la femme? Mais là, c'est pas fini. Moi j'aime Dieu parce que c'est un justicier. Il aime rendre justice. Il dit, femme, le serpent est là. Adam est là. La femme est là. Les animaux sont là. Il dit, femme. Bon, tes sanctions physiques sont, c'est ça? Mais spirituellement, il y aura une guerre entre toi, ta postérité et la postérité du serpent. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas. Le serpent ne fera que te mordre ton talon. Il ne peut rien. C'est ton talon là qui va mordre. Mais toi, ta postérité là, va écraser sa tête. Montrez-moi dans la Bible où Dieu a dit que l'homme, la posture de l'homme va écraser la tête du serpent. Montrez-moi dans la Bible. Continue à le pousser à monter. Il prend, quand il sera là-haut, quand on va lui donner les récompenses, toi tu vas être portier. Il te connaît pas? Au ciel, il te connaît pas. Il dit, bien-aimé sœur. Au ciel, il n'y a pas de regroupement familial. Mais regardez. Maintenant, il se trouve vers le serpent. Il dit, bon, ok, tu as fait ça là. Tu as entendu ce que j'ai dit, hein? Ta tête sera, ta posture de ta tête sera écrasée. Et désormais, tu ne vas pas te tenir debout, hein? Je te transforme en reptile qui rampe sur le ventre. Il se tourne vers l'homme. Il le regarde. L'homme baisse la tête. Il dit, ne baisse pas la tête. Je t'ai établi chef du jardin. De veiller sur le jardin. Tu étais incapable de veiller sur le jardin. Quel genre de type tu es? C'est pourquoi aujourd'hui encore les hommes n'arrivent pas à veiller sur leur famille. Il dit, bon, ta sanction là, ce sera la grande sanction. Hein? Il dit, ah bon?
Tu vas manger à la sueur de ton front. À cause de toi, je maudis le sol. Le sol que j'ai maudit là, et c'est toi qui dois cultiver pour enlever. Et c'est à la sueur de ton front. Et les ignorants disent aujourd'hui que nous devons manger à la sueur de ton front. Mange à la sueur de ton front, moi je ne mange pas à la sueur de mon front. Moi je mange dans la faveur divine. C'est les gens du monde qui vous disent ça et puis vous acceptez ça. Que chacun doit manger à la sueur de son front. Ils ont pris ça. Ils ne savent même pas. Dans Genèse 3, c'est une malédiction. Ce n'est pas fini. Dieu dit, la grande sanction pour toi, pour Adam, tu es quoi? Ton corps là, c'est quoi? Il dit, c'est poussière. Donc, il dit, Adam, tu es quoi? Il dit, je suis poussière. Il dit, très bien. Bon, quand tu vas finir là, tu vas retourner dans la poussière. J'ai sauté quelque chose exprès. Tu vas retourner à la poussière. Mais avant que tu retournes à la poussière, là, comme tu es poussière là, tu as entendu, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit au serpent? Adam, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit au serpent? Que c'est toi là, c'est toi là, que Satan va manger. Parce que le serpent va se nourrir la poussière. Entre Adam et Ève, qui est poussière? Les hommes, parlez là, qui est poussière? La femme est poussière? Le serpent veut manger la femme? C'est pourquoi Dieu a placé les femmes pour nous garder, garder le dos, garder tout, 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 mais on ne veut pas. On ne veut pas. Oublié que c'est la femme là dont la postérité doit écraser la tête donc du serpent. La postérité du serpent. Et aujourd'hui, les hommes s'allient avec Satan pour fatiguer les femmes. C'est de ta postérité, homme, que Jésus est venu. C'est de la postérité de qui? De la femme, non? Alors, depuis ce temps-là, Satan est derrière les femmes. Et c'est cette femme-là. C'est cette femme-là. C'est sa postérité. C'est cette femme-là. C'est cette femme-là. Jusqu'à ce que Marie vienne. Mais il n'a pas su qui est Marie. Une simple jeune fille. Mais il y a un natif qui nous regarde sur Marie. Son mari, bon, son fiancé était un simple charpentier. Satan dit non. C'est pas cette femme-là qui peut. Donc celui qui doit écraser ma tête là va venir. Mais pourtant, c'est ça. Depuis ce temps-là, Dieu cherche des femmes humbles. Des femmes humbles. Qui reconnaissent le mari comme le chef, mais qui savent qu'elles ont un rôle important pour aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, Dieu dit que c'est la femme, sa postérité. Et vous vous dites que dans l'église, là, la femme ne doit même pas parler. Si une femme ne parle pas, une maison peut vivre. Dans ta maison, la femme ne parle pas 3 jours. La maison, elle devient comment? Elle devient comment? Est-ce qu'on peut vivre là-dedans? Quand une femme ne parle pas, c'est un problème. Il ne faut pas la laisser trop parler seulement. Non. C'est la seule chose. Mais dis qu'une femme ne parle pas là, tu es bête. Et Adam le bébé dit à sa femme, chérie, mets-toi derrière ici. Tu as parlé maintenant, mets-toi derrière. Et puis il devait répondre il est écrit, Dieu m'a dit, je ne mangerai pas, si je mange, je meurs. Allez, circule. La femme aime discuter. Non,
écoutez, une femme va venir te demander, chérie, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi ce que tu veux manger. Quand elle te dit ça là, tu dis que bon, tu veux manger du riz gras. Ah, sinon, moi, j'avais prévu du benga pour toi. Bon. Tu es venu me demander pourquoi? La France, comment pour Yinga? Ça, c'est la femme. Je veux manger des macaroni. Ah, sinon, moi, je vais préparer des pâtes de veau. C'est pas ma femme, hein? Je ne parle pas de ma femme. Okay. Voilà. Certains sont assis. Eh, maman est comme ça alors. Maman n'est pas comme ça. Voilà. C'est toi qui es comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ces deux livres ont été écrits là. Moi, si les hommes prenaient le courage, les pasteurs là, prenaient le courage de lire ces deux livres là, eux-mêmes vont se repentir, aller demander pardon à leurs femmes. Dieu, le premier à reconnaître des droits aux femmes, le premier défenseur des femmes, c'est Dieu lui-même. Si tu lis le contenu, mais pourquoi on n'a pas compris ça? Tu n'as pas compris, pas, tu es né dans la doctrine. Les églises ont imposé des doctrines aux gens. Il ne faut pas aller ici. Non, on ne croit pas au ministère des femmes. Ça te regarde. Tu ne crois pas au ministère des femmes? Mais alors, ça te regarde. Et l'autre là, quand tu crois que Dieu a reconnu les droits à une femme, non, tu vas reconnaître que la femme de ce pasteur là, elle est épouse de femme de pasteur, elle est épouse de pasteur. Il y a pasteur par rien. Comme le mari, il ne comprend pas ça là. Comme le mari est père de l'église locale, la mère de l'église locale c'est qui? C'est ta petite sœur, hein? C'est ta tante. La femme du pasteur, la mère de l'église locale, c'est la femme du pasteur. Pourquoi c'est vous qui voulez diffuser la doctrine des missionnaires et Dieu vous a donné l'intelligence, le Saint-Esprit est venu habiter en vous? C'est ça le problème. Moi j'ai un ministère de livres, je n'ai jamais écrit un livre. Pourtant, j'ai 40 livres. Qui a écrit? C'est elle. Je ne me suis jamais assis pour écrire un livre. C'était en moi. Mais Dieu l'a amené. Et cet aspect du ministère qui me manquait là. Si j'avais dit non, les femmes ne font pas le travail de Dieu. Assois-toi, fais-moi la cuisine. C'est bon. Assois-toi. Mais aucun livre n'allait sortir. Et quand j'ai vu ça maintenant, j'ai dit ah. La manière dont je t'ai vu quand on voyageait partout là, et tu aides les églises pour les familles et tout. Il faut écrire des livres pour les familles. Elle